Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2024. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je vous souhaite beaucoup de santé. La santé, c'est vraiment le plus important. Avec la santé, on peut faire un maximum de choses. Sans la santé, ça va être plus compliqué. Donc, prenez soin de vous physiquement et mentalement, c'est important. Et bien entendu, vu que nous sommes dans la thématique du trading, je vous souhaite de faire un maximum de profit, idéalement avec nos outils Magic Precom. C'est le but de mes vidéos, de la plupart des vidéos que je fais, c'est de vous montrer la puissance de nos outils de trading, que ce soit l'indicateur Magic Precom pour TradingView, pour ceux qui souhaitent trader manuellement, ou encore le robot de trading 100% automatique Magic Precom qui va faire tout le travail pour vous via MetaTrader. Il va placer des stop loss, des take profit, clôturer les trades. Il va tout faire en total automatique. Donc même si vous n'avez aucune connaissance en trading, il suffit juste d'installer le robot et de le laisser faire son travail, idéalement sur un VPS pour qu'il puisse tourner H24. Et pour aller plus loin, le robot est idéal pour ceux qui souhaitent valider des challenges propres firmes. Ici, sur MyFXBook, je pense que vous connaissez MyFXBook, c'est un site qui permet de voir les résultats de comptes de trading. Et moi, du coup, j'avais ouvert un compte en démo pour montrer à mes élèves comment valider très facilement un challenge. Je vais prendre l'exemple d'un challenge FTMO puisque c'est le prop firm que je préfère, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle prop firm. Alors vous voyez ici, on voit les critères pour valider un challenge FTMO. Donc il faut 4 jours de trading minimum, mais il n'y a pas de période maximum. Ça peut se faire en 10 jours, en 15 jours, en 20 jours. En tout cas, vous n'avez pas de limite de temps pour atteindre les objectifs. Le but ici d'un challenge prop firm, c'est d'atteindre 10 000 dollars de profit sans avoir atteint 10 000 dollars de perte ou 5 000 dollars sur une seule journée. Ça, c'est quand on a un capital de 100 000 dollars, comme dans l'exemple que j'ai pris pour mes clients. Ici, j'avais un capital de 100 000 dollars. D'accord? J'avais commencé du coup le 11 décembre. J'avais commencé du coup le 11 décembre et on voit que du 11 décembre au 28 décembre, on voit que du 11 décembre au 28 décembre, donc ça a pris à peu près 20 jours, et ben j'ai obtenu 15% de gains, d'accord? 15% de gains pour un drawdown qui a atteint 7% au total. Donc ici, si on regarde un peu plus dans les détails, on voit une rentabilité d'à peu près 81% sur 13 transactions. Enfin, sur 13 transactions, j'ai 81% de taux de réussite. D'accord? J'ai eu 3 trades perdants. Parce qu'il faut comprendre que ce soit l'indicateur, que ce soit le robot, vous ne pouvez jamais avoir 100% de trades gagnants. C'est impossible. Autrement, ce serait trop facile et tout le monde ferait des profits en trading. D'accord? Quand vous avez des trades perdants, que ce soit avec le robot, là du coup je vous montre le compte en question, c'est sur ce compte, hein, vous voyez ici je suis à 115 772 de profit, je fais monter pour qu'on puisse mieux voir, voilà, donc là on voit que j'ai commencé ben, le 11 décembre, j'ai ouvert le compte le 11 décembre, j'ai tradé principalement sur XAU USD, c'est le gold. J'ai tradé un peu également sur Euro USD, enfin Euro USD, USD JPY et XAU USD, ce sont mes paires préférées. Le gold, ça reste une valeur sûre. Et du coup, j'avais eu 3 trades perdants ici. Et vous voyez que les 3 trades perdants, je les ai faits à la suite. D'accord? Et ben, il faut comprendre que même si vous avez des trades perdants, il faut laisser le robot travailler ou suivre à la lettre les recommandations données par l'indicateur. Vous finirez toujours en gain si vous respectez la stratégie de l'indicateur ou si vous laissez le robot tourner. Pour suivre avec l'indicateur, il est préférable de se placer en Ekinashi. Donc je vais vous rappeler très rapidement en quoi consiste la stratégie du Magic Precom. Vous avez ici des pointillés rouges et pointillés bleus. C'est ce qu'on appelle les Magic Lines. Quand les Magic Lines sont bleus, quand les pointillés sont bleus, ça signifie que vous êtes dans une séquence haussière. Quand les Magic Lines, quand les pointillés sont rouges,
Ça signifie que vous êtes dans une séquence baissière. Il ne faut chercher que des opportunités à la baisse. Il faut toujours, toujours, toujours aller dans le sens donné par les magic lines, jamais en contre-tendance. Les magic lines en soi ne sont pas des signaux d'achat ou de vente, simplement pour vous dire que vous êtes dans une séquence haussière ou baissière. Maintenant, on va regarder les magic bars qui apparaissent automatiquement quand le prix effectue des rebonds sur des zones de support ou résistance stratégique. Quand une magic bar se forme, vous allez avoir une alerte sur TradingView. Quand une magic bar apparaît, le prix, en règle générale, il va partir et il va revenir pour casser cette magic bar à la hausse. Quand une magic bar orange est cassée à la hausse dans une séquence haussière avec des pointillés bleus, ça signifie que le prix, il continue de grimper. En tout cas, il a 80% de chances de continuer à la hausse. Quand une magic bar verte est cassée à la baisse dans une séquence baissière avec des pointillés rouges, ça signifie que le prix, il va continuer de baisser. On va donc placer des ordres en attente, je dis bien des ordres en attente, donc des buy stop ou des sell stop, au-dessus des magic bars orange ou en dessous des magic bars vertes. Et en fait, quand le prix il revient pour casser ces magic bars, eh ben, il va venir déclencher vos ordres et en règle générale, ben, vous allez finir en profit. Quand le prix il ne revient plus pour casser la magic bar orange, comme ici, eh ben, votre ordre il ne se déclenche pas et le prix en règle générale il va se retourner. Donc, il suffit simplement de suivre les magic bars. Le stop loss va être placé au niveau des pointillés et vous allez pouvoir ben, suivre votre stop loss, enfin, du moins le remonter ici ou l'abaisser ici au fur et à mesure de votre trade. Ensuite, pour placer votre trade maintenant, on va placer plusieurs take profit. Donc, quand vous le faites manuellement, vous allez placer ben, trois trades différents avec le même stop loss, le même prix d'entrée, mais le take profit va changer. Sur le premier trade, vous allez placer un take profit à un ratio d'environ 33%. Donc ici, le ratio 33% ce serait à ce niveau-là. Quand le prix il atteint le premier take profit, il va venir clôturer votre premier trade avec un gain. Le deuxième trade, ben, il aura un take profit qui sera placé à un ratio d'environ 0,66. Ok? Et le troisième trade, il aura un ratio de 1. Toujours un ratio de 1 maximum. Donc plutôt que de placer un seul trade en ratio 1 pour 1, ben vous aurez trois trades qui vont se clôturer palier par palier. Ainsi, même si le prix il monte et il n'atteint pas le palier final, le ratio 1 pour 1, et ben vous pouvez quand même finir en gain, là où vous auriez pu finir en perte si vous seriez resté sur un seul trade avec un ratio de 1 pour 1. C'est exactement la stratégie du robot. Vous voyez qu'ici, il a placé plusieurs take profit. Je rappelle encore qu'il s'agit d'un ordre en attente. Ça veut dire que si le prix il part à la baisse, mon ordre ne se déclenche pas. Et un nouvel ordre va se placer quand il aura une nouvelle opportunité. Donc là, si le prix part dans le bon sens et qu'il casse la magic bar à la hausse, les trois take profits vont s'activer. Le robot va clôturer le trade palier par palier. Le stop loss, il est à ce niveau-là. Donc, même si le prix il n'atteint pas le palier final, s'il a atteint le premier ou le deuxième palier, eh ben, quand le prix il va repartir en perte, il va repartir pour toucher mon stop loss, je vais finir en profit. C'est aussi simple que ça. Et s'il touche ben, le palier final, c'est encore mieux. Donc avec cette optimisation de votre money management, ben vous allez maximiser vos profits et c'est l'idéal quand vous faites un challenge from firm, puisque vous allez minimiser votre drawdown tout en maximisant vos profits. Pour rappel, nous sommes toujours sur un time frame d'une heure. Avec la dernière version du robot, la V4.1 Pending. Pending, ça signifie qu'il va placer des ordres en attente. Toujours des ordres en attente qui se déclenche seulement si le pronostic est bon et on se met toujours sur un time frame d'une heure parce qu'en une heure les graphiques, ben les courbes sont plus propres,
surtout sur EURUSD, XAIUSD ou USDJPY, ce sont vraiment des actifs où les courbes sont relativement propres. Si vous êtes en manuel, une fois que le trade est lancé, ben vous laissez courir. Et si vous utilisez le robot, c'est pareil, vous le laissez travailler. Tant que possible, n'intervenez pas sur l'action du robot, laissez-le faire son travail. Et dans la grande majorité des cas, vous verrez que vous serez en profit parce que ce soit l'indicateur ou le robot, la stratégie qui est employée est une stratégie qui paye. Si on prend l'exemple ici du gold, j'avais partagé sur le canal Telegram que je vous invite à rejoindre. Vous avez le lien en description de cette vidéo. J'avais partagé du coup l'opportunité à saisir sur le gold quand le prix était à ce niveau-là. Vous voyez les magic bars orange. Et du coup, j'avais annoncé, c'était le 21 décembre, opportunité haussière à saisir sur le gold, que si la magic bar orange est cassée à la hausse, alors la tendance va continuer de grimper. On peut donc placer un ordre en attente. Ben, c'est ce que le robot a fait et c'est ce que vous avez fait si vous avez suivi mes recommandations. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez ici. La magic bar a été cassée à la hausse et le prix a continué de grimper. C'est ce qui a également ben, contribué à mes profits ici. Donc pour ceux qui n'ont pas encore les produits Magic Freecom entre les mains, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir le robot ou l'indicateur. Vous avez également le lien sur notre canal Telegram. Je vous invite donc à rejoindre rapidement notre canal Telegram sur lequel je partage des opportunités. Je partage également les résultats du Magic Freecom et les témoignages des clients qui valident facilement leur challenge propre firme. Pour cette année 2024, je rajoute une nouvelle offre. Pour ceux qui souhaitent valider des challenges propre firme sans avoir à acquérir le robot, vous pouvez également me contacter pour que je valide les challenges propre firme à votre place. Et si vous souhaitez que je passe les challenges à votre place, contactez-moi pour qu'on mette en place rapidement votre plan de réussite. C'est mon seul et unique contact et c'est le seul et unique groupe relié au Magic Freecom. Seul contact officiel, c'est celui-ci, contact Magic Freecom. Le site officiel, c'est celui-ci. Et le lien Telegram, c'est celui-ci. Vous l'avez en description de cette vidéo. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash, que ce soit en challenge ou pas. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.